Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks avec cette palette. Donc, je vous ai demandé sur Insta si vous préfériez que je vous fasse une palette 1 make-up ou une palette 3 looks. Vous avez voté pour, en majorité pour une palette 3 looks. Voilà, voilà. Donc, j'ai même pas encore swatché, rien du tout. Je vous laisse l'honneur pour tout. Mais on va quand même en swatcher quelques-uns. Je vais faire au moins 4 mats et 4 lumineux parce que les marbrés, j'ai très envie de les tester. Voilà, je vais voir ce qu'ils donnent. Et je vais essayer de faire un make-up à peu près dans ces rangées-là, un dans ces rangées-là et un peu plus vers le bas. On va voir. Donc, ça sera un plus dans les tons. Aujourd'hui, ça sera un peu plus rose, orangé. Demain, on fera bleu mauve. Après-demain, on fera du vert. Voilà. Enfin, après-demain. Dans le troisième mot. Donc, pour les mats, bon, je ne vais pas swatcher les nudes. Hein, on s'en fout un peu. Je vais swatcher pour commencer le vert ici. Bien évidemment. Le kaki. Obligé. On va prendre le bleu turquoise ici. Et ce petit rouge là, ici. Ça me paraît pas mal, pas mal, pas mal. Alors. C'est plutôt pas mal. Vraiment pas mal. C'est pigmenté. Je vais prendre une lingette. Alors, en lumineux, j'ai très envie de swatcher les deux ici, le vert. Et le un peu gris comme ça. Le mauve foncé. Et on va prendre le petit rose ici, assez clair. Un peu pêche champagne comme ça. Enfin, champagne rosé, je dirais. Oh, ça a l'air beau tout ça. Oh, le vert, il est beau. Ouh. C'est lumineux à souhait, hein. Le vert est beau. J'aime beaucoup. Et je vais donc également swatcher les deux marbrés. Donc il y a celui-ci. Celui-ci. On va prendre le lumineux mauve à côté qui a l'air un peu plus pailleté que les autres. Et les paillettes. Donc il y a un ajournir dedans. Elles sont magnifiques. Oh, elles sont belles. Ça m'a l'air très 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 joli tout ça. Je vais les mettre à côté. Ouh. 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 C'est beau. Vous voyez les paillettes? Oh, j'espère que vous les voyez bien. C'est canon. Alors, les marbrés, je pense qu'on peut les appliquer seuls. Mais en topper, ça peut être sympa aussi. Voilà. Oh, j'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Maintenant, il faut que je nettoie les swatchs. Voilà, donc... En forme de make-up, je vous ai aussi demandé sur Insta, il y aura une forme classique. Donc, ce make-up sera assez classique, le Semi-Cut Twist de Feignasse. Et il y aura aussi un abstrait, qu'on m'a demandé, et un graphique. Donc, voilà. Donc là, on va commencer avec la forme classique, avec les couleurs un peu plus rose-orangé pour aller avec mon soutif. Je me rapproche et on attaque le premier make-up. Alors, pour commencer, je vais poudrer mon arcade sourcilière, puisque je ne l'ai pas fait et qu'il y a un... J'essaie d'ouvrir à l'oreille. Il y a un magnifique beige bien clair dedans, donc le premier phare juste ici. Qui devrait totalement bien aller exactement. Après il y a deux teintes de beige et un peu plus beige taupe comme ça. Donc je pense qu'il y a pour pas mal de carnations. Je la trouve assez complète en la voyant comme ça. Bon, il est assez poudreux, mais rien de catastrophique. 1,231. Et je vais commencer par la teinte pêche, juste ici, qui me fait de l'œil, dans ces teintes-là. Pour faire mon creux, mon coin externe, mon ratio, comme d'hab, quoi, puisque je fais une forme classique, ou que c'est beau. Alors, il n'y a pas de souci de pigmentation, hein, ça c'est clair. Bah, après, Morphe, moi j'ai que... j'avais testé la James Charles que j'avais pas du tout aimé. Et j'ai la 35i hein, qui est celle de pastel là que j'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée mais j'aime beaucoup.
sinon j'ai pas beaucoup de Morphy moi. Hein. Je suis pas une adepte de la marque. Plus que ça, quoi. Après, je trouve que c'est souvent redondant aussi leur collab, enfin leur palette. Mais celle-ci me plaisait bien. Je trouve qu'elle est juste équivalent entre les nudes et les colorés, donc c'est bien. Donc bien sûr, je commence à dégrader les beurres. Je vais enlever mon serre-tête parce qu'il me fait mal. Non, oh, mes cheveux, mon chignon. Avec un pinceau un peu plus foncé, je vais prendre la teinte ici beige un peu plus foncé que je vous disais qui est un peu entre avec un peu de taupe comme ça. Je sais pas trop, un peu camel, ouais, plutôt camel. Donc je vais m'en servir pour dégrader la première teinte. Donc je fais bien tout le tour de l'œil hein, comme d'hab. Et je termine avec un coup d'estompeur propre. Donc là, je reprends celui que j'ai mis, le fard beige. Ça m'évite de salir un pinceau. Parce qu'il faut que je les lave. Alors, pour mon coin externe, je vais prendre le rouge, tiens. Là. C'est assez poudreux. Hein. Mais c'est super pigmenté. Je dirais que c'est un framboise foncé. Il est assez bien rouge. C'est entre le framboise et le bordeaux, je dirais. J'aime bien cette teinte. Donc, pareil, il y aura de cils inférieurs. Avec ce pinceau-là, je dégrade donc également sur la paupière pour pas que ça fasse un trait tout babou, tout dégueu. Ouais, il devient un peu plus rose à l'estompe. Donc, c'est plus un framboise qu'un rouge. Alors, je vais prendre la pince au plat et du coup, je vais prendre le rose flashouille ici. Mettre à la suite, c'est super pigmenté. Franchement, j'aime bien. La qualité est vraiment bonne, je suis contente. Bon, là, il n'y a pas énormément de contraste. Du coup, il s'éclaircit vachement le premier en l'estompant. Alors, je vais essayer de le réintensifier un peu. Mais le contraste, c'est pas ça. Donc, j'essuie mon pinceau et je vais prendre le noir. Je vois pas quelle teinte prendre. Donc, il a l'air aussi assez pigmenté. Et je vais foncer uniquement mon coin externe, mon petit ras de cils externe. C'est hyper pigmenté. Donc, je vais descendre un petit peu en oblique ici. J'ai à peine trempé mon pinceau dedans. J'arriverai pas à le dégrader. Je pense que nous aurons un petit problème d'estompe. Donc je vais reprendre la première teinte que j'ai utilisée pour ma transition. Je reprends ce pinceau-là et le rouge. Pas le rouge. Pour essayer de dégrader au maximum, mais il se dégrade pas super bien le noir. On va laisser comme ça. Hein. C'est pas le meilleur des noirs que j'ai. Hein. Il est super pigmenté, mais question estompe, il se travaille pas super bien. On va dire ça comme ça. Voilà. J'espère que ça fera pas trop bizarre avec, une fois qu'on aura mis le liner. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc, je passe chez mon fidèle Boozy Shop. Et je vais prendre celui-ci pour mettre en coin, en partie interne de ma paupière. Donc je l'étire par-dessus le rose hein, parce qu'il n'est pas supra pigmenté. Il est hyper lumineux mais pas super pigmenté. C'est vraiment limite un topper. Donc je l'étire au maximum pour modifier un peu la couleur au fil de l'étirement. Et sur le rose, il est super beau. Ok, ça j'aime bien. Donc j'essuie mon pinceau. Et je reprends la teinte rose avec la tranche. Pour mettre la partie interne de mon ras de cils. Enfin, bon, je repasse sur tout mon ras de cils avec le rose. Et en coin interne, je vais mettre le blanc qui est juste ici. Donc je n'essaie même pas de vous lire les teintes, hein, vous avez remarqué. Il s'écrit vraiment tout petit. Ouh, c'est lumineux. Ouh. Ça gêne. Ouh, j'adore.
J'adore quand c'est lumineux comme ça. Ouh. Ça bouille. Du coup, je prends un autre pinceau et j'en mets sous mes petites chenilles pour faire des verres luisants. Comme d'hab. Parce que j'aime quand ça bouille. Et d'ailleurs, je vais le prendre au doigt et on va le tester en tant qu'agriculteur. Donc on y... Ouh. Ouh. Ouh, t'es beau, toi. Ouh. Ça, c'est joli. Voilà, j'ai mis mon crayon noir en épaisseur supérieure et fait mon trait liner avec le liquid ink de chez Essence, comme d'habitude. En attendant que ça transfère. Et là, je vais dégainer ma palette pastel de chez AliExpress. Donc, je vous mets le crash test des palettes de liner cake en barre d'infos. Je vais prendre le vert. Le vert pastel. Oui. Alors, je vais commencer par faire un trait en dessous de mon liner noir. Je vois pas bien. Ok, alors. Je vais essayer de ne pas faire les petits points. Je vais essayer. Je vous garantis rien. Je vais faire mon creux. Bon, je suis désolée, on va quand même faire quelques petits points. Donc voilà pour le liner vert. Ça va très bien ensemble. Donc je vais essuyer ma petite muqueuse. Et du coup, je vais mettre le pastel green. Je crois que c'est... Attendez, je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle. Magic Mint des LA Girls, des Pastel Dream de LA Girls que j'avais eu dans le sable de la part de Amy. Donc, je le chauffe un petit peu. Ça devrait être à peu près la même couleur. Pas exactement, mais à peu près. Ok, bah, je pense qu'on est bon pour le mi. Donc, je vais recourber mes cils comme d'habitude, mettre mes trois mascaras comme d'habitude, et sur les lèvres, je vais mettre le crayon Piloto de Charlotte Tilbury, que j'ai en mini, et le Rasmatas des mini de chez Focalure, comme ça, les petits jumbo que j'aime tant. Je viens vous remontrer ce que ça donne, et on passera au look numéro 2. Donc pour ce deuxième look, on va utiliser plus les tons bleu, mauve, voilà, peut-être un peu rose, je sais pas encore, donc j'ai mis mes cheveux bleus. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par blender ma base, comme d'hab. Alors, on m'a demandé un make-up abstrait. C'est les idées de nymphes. Hein. Donc j'ai décidé de réutiliser la technique du mouchoir qu'on voit passer partout en ce moment sur TikTok et Instagram et même YouTube. Mais je vous l'avais déjà fait dans un vlog. Donc je vous remets le vlog là en barre d'infos. Et je vous avais dit que vous alliez beaucoup le revoir parce que j'aime beaucoup cette technique. C'est assez simple et le rendu est très beau. Et voilà. Donc, je vais commencer par poudrer mon arcade sourcière avec le même que pour le premier look, hein, qui sera le même pour le troisième look, évidemment. Alors, je ne vais pas faire que du mouchoir sur ma paupière. On va faire un espèce de petit smoky. Donc, je prends un pinceau plat et je prends le bleu nuit ici. Voilà, on attaque direct dans le sévère. Ouais. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile. Je vais en mettre aussi en ras de cils. C'est un très beau bleu nuit. Magnifique. Un peu scintillant comme ça. Avec la tranche, je fais mon ras de cils. Ok, alors je vais prendre un pinceau fluffy pour estomper quand même un peu le bord. Surtout qu'avec Mérite, ça fait des zébrures. Hein. Bon, après, c'est pas très grave, hein, puisque l'on va cacher ça avec la technique du mouchoir. Mais je dégrade quand même. Ok, pour ça. Alors, au doigt, je vais prendre la teinte là, que j'avais très, 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 très envie d'utiliser. Et je remets ça par-dessus. C'est hyper, hyper, hyper lumineux. Légèrement pailleté.
C'est très beau. C'est vraiment un topper. Ok, alors pour mon coin interne, on va prendre. Ouais, je vais prendre le même que hier. Hein. Ouais, c'est le meilleur, donc on va prendre celui-là. Donc je mets ça en coin interne. On va en mettre également sous le foursail, hein, comme d'hab. Donc maintenant, on va passer à la partie amusante. Donc j'ai déjà chiffonné un mouchoir que j'ai découpé en plusieurs parties. J'essaye de trouver un coin où il y a une belle forme. Donc je l'aplatis sur ma table. Et je reprends le bleu foncé, là. Pour mettre à l'extérieur. J'aime trop cette technique. Alors ensuite, je prends un plus petit. Pareil, hein, je l'aplatis un peu sur ma table. Et je vais prendre le bleu ici, un peu turquoise. Que je mets juste à côté, mais que je superpose un peu aussi sur le bleu foncé. Donc là, Nymphe, tu pourras pas dire que je monte pas assez haut. Ok, je prends un autre bout, donc je garde le même petit bout de mouchoir, mais je le retourne et je l'aplatis. Je prends le... on va prendre le mauve rosé ici. Voilà. Oh, c'est trop beau. Donc j'en mets un peu où j'ai mis le bleu aussi. Voilà, je pense qu'on est bon, on va pas trop faire de tâches non plus. Mais c'est magnifique ce rendu là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ok, bah, je pense qu'on est bon là quand même, non? On va peut-être pas exagérer quoi. J'ai déjà exagéré, on est d'accord, mais je crois qu'on est bon là. Crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. De liner noir comme là, bah. Ok pour le liner. Alors est-ce que je rajoute quelques strass ou pas? Je pense que non, hein. Le make-up se suffit à lui-même, sinon ça va faire trop charger. Je voulais mettre le sub-zéro sur les lèvres aussi et Nain voulait que je mette du noir parce qu'elle trouve que ça me va trop bien. Merci Nain, j'adore quand je mets du noir, c'est vrai. On va peut-être plus rester dans le nude, non? Mmh. Ouais. Je vais mettre le Catrice. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc, c'est le... attendez. Roughness Wings. Je vais mettre recourber mes cils et mettre du mascara. Comme d'hab. Je vais peut-être mettre des faux cils aussi. Enfin, bref. Je fais tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne. Ensuite, on passera au look numéro 3. Et on parlera à la fin de la palette. Only sound, only silence. You could change everything. Petit détail avant de passer au look numéro 3. Donc vous avez vu que j'ai refait le close-up avec le gros plan sur les yeux. Comme ça, vous voyez bien les détails, bien les ratures et tout ça. Et le bisou, puisqu'apparemment, ça vous manquait. On m'a dit ça sous la dernière vidéo que moi, j'ai publiée hier. Voilà, je vous ai mis un sondage sur Insta. Vous avez dit que ça vous manquait. Donc, je vais les refaire. Mais à coup de pas, vous auriez dû me le dire avant. Donc, en fossile, j'ai mis les Gatsby de Elle Splash que j'adore. Sur les lèvres, j'ai donc mis le rouge à lèvres, alors plus rien à voir, hein, mais que je vous ai montré. Et j'ai rajouté par-dessus le fard marbré que j'ai mis en paupière mobile. Et un tout petit peu de celui-ci plus au centre, parce qu'il est un tout petit peu plus pailleté encore. Voilà pour les petits détails. Donc on peut passer maintenant au look numéro 3.
Donc pour le dernier look, on m'a demandé un make-up un peu plus graphique, comme je fais très souvent. Voilà, donc écoutez, on va faire ça, tout simplement. Donc je reprends, j'ai déjà mis mes petits six-coachs, hein, comme d'hab. Je vais poudrer mon arcade sourcilière avec le fard que j'ai utilisé la dernière fois. Et je vais prendre un pinceau donc biseauté et on va attaquer direct avec le marron chaud ici. Chaud, froid, non plus froid d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. Voilà, on va utiliser celui-là pour faire la forme externe. Enfin du coin externe. Donc je sais que vous aimez beaucoup quand je fais cette forme. Et moi j'aime beaucoup faire cette forme. Donc si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais il y a des travaux juste devant la porte. Donc il y a le feu rouge juste devant, donc vous allez entendre les moteurs. Voilà, je prends un pinceau biseauté, mais plus fluffy pour remplir la forme. J'estompe sur la paupière mobile pour pas que ça fascine et barre. J'ai mis ma base un peu trop tôt et du coup elle a commencé à figer. Donc là, je vais devoir faire gaffe aux tèches. Ok, alors je vais prendre le pinceau que j'ai appliqué le fard beige pour bien blender ici. Ensuite, pinceau plat et je prends le kaki. Vous doutiez bien que j'allais au moins l'utiliser une fois. Et je mets ça à la suite. Il est très beau ce kaki. Pareil, on dégrade sur la paupière mobile. J'ai pas un pinceau fin. J'échoppe là, ils sont sales mes pinceaux. Il faut que je lave mes pinceaux. Bon, ben, je vais prendre le petit comme ça. Et du coup, je vais prendre le vert néon. Donc là, attention, parce que c'est un pinceau qui fait encore plus de chute que le fard n'est déjà chuteux. Que je mets à la suite. Donc là, on va essayer de l'étirer quand même pas mal sur le kaki pour qu'on voit bien le vert flashouille. Alors, est-ce que j'ose réutiliser le noir? Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci de Real Technique et je prends un tout petit peu du noir. Alors, quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu pour foncer le coin externe. Ouais, c'est un peu mieux. Il faut vraiment pas en mettre de trop et pas avec un pinceau trop dense. Donc, c'est vraiment léger. Hein, parce que j'ai pas envie de me foirer. Bah écoutez, on est pas mal pour l'instant. Alors, on repassera à la palette après. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure pour le moment. Donc, voilà pour le liner normal. Je vais encercler aussi un peu ma forme marron. Toujours au liner noir. Et je vais revenir au milieu, pas en dessous, mais au milieu du marron. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va passer au radicelle. Alors, je vais commencer. Je reprends mon pinceau biseauté et le marron pour partir du coin interne. Je reprends le pinceau biseauté pour estomper un peu. Donc, je prends le tout petit crayon de chez Sananas. Je garde le même marron. J'essaye une mini bascule. Je ne suis pas douée pour les bascules, hein, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, je reprends le vert néon pour faire ma forme ici. Donc là, j'ai pas de base et c'est un peu moins intense. Alors, je vais le faire avec le kaki plutôt. Je garde le même pinceau que j'essuie et je reprends le vert néon pour dégrader. Mais c'est mieux. Bah attends, tu veux pour péter une petite incruste. Oui, je suis fatigué et bonjour. Oui, je suis bien sûr. Voilà, alors, qu'est-ce que je rajoute? J'ai pas testé les paillettes, bah, vous savez quoi? Les petits poils qu'il a sur les oreilles. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est un make-up classique, là. Bon. Ah ouais. Je pensais que c'était comme le bébé Yoda. Alors, je rajoute quelques paillettes quand même ici. Puisqu'on les a pas testées, les paillettes. Et elles sont tellement belles. Et comme il y a des vertes dedans. On va également en mettre un peu ici. Allez hop, hein, c'est la fête à la paillette aujourd'hui. Ah, j'ai pas fait mon coin interne. Écoutez, je vais prendre le petit doré ici. Pour pas remettre encore le blanc. Dans le doré, ça va bien avec le vert, ça va bien avec le marron. Donc...
ça va bien avec le make-up, quoi. Voilà. Je vais en prendre aussi pour mettre un peu ici, vraiment à la jonction, puisqu'il y a un peu moins de paillettes que je les ai mis au doigt. Ok, ok, ok. Je pense qu'on n'est pas trop, trop, trop mal. Maintenant, je me demande si je ne referai pas quand même avec du noir ici, ou du liner. Non, je vais prendre le noir. Donc, je reprends mon petit pinceau crayon pour juste repasser un tout petit peu sur le bord du vert ici. Ouais, c'est mieux. Ça donne un peu plus de profondeur. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Du coup, je vais mettre du crayon doré en muqueuse qui est un peu plus jaune que celui du pointeur, mais ça devrait faire l'affaire. Des strass. Madame voulait des strass. Alors, j'en ai préparé plusieurs. Bah écoutez, je colle ça, je mets mon mascara sur les lèvres, je vous dirai après ce que j'ai mis et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà ce qui conclut les trois looks, le dernier look que j'aime encore une fois beaucoup. Voilà, donc sur mes lèvres j'ai mis le crayon Charlotte Tilbury en tant que pillow talk et le petit mini gloss comme ça champagne du calendrier de l'Avent H&M. Voilà, comme ça je l'ai enfin utilisé une petite fois pour essayer de le terminer puisque je l'ai inclus dans mon project pan. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on pense de la palette? Alors écoutez, je suis totalement éboldée. Totalement, totalement, totalement. Je la trouve hyper, hyper, hyper complète. Il y a du nude, il y a du un peu plus rangé, du bleu, du rose, du mauve, du vert, du kaki. Voilà, il y a un noir, il y a un beige. Elle est assez complète. Franchement, j'adore. En teinte irisée, pailletée et compagnie, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça, hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 même, sur 35 fois. Donc, c'est une très, très, très bonne moyenne. Vous avez des clairs, voilà, pour les coins internes, si vous voulez quelque chose d'assez soft. Des plus dark ici, que j'adore celui-là, j'ai hâte de le tester aussi. Vous avez un chunk de paillettes. Ces deux-ci qui sont totalement des toppers. Maintenant, je pense que sur une base blanche, par exemple, ils peuvent très bien ressortir. Celui-ci qui est très pailleté, voilà. Tout simplement. Il manquerait un marron vraiment beaucoup plus foncé à la place de trois beiges. Celui-ci est pas mal pour bien dégrader quelque chose d'assez soft. Après, il y a le noir. Donc voilà, mais il se travaille très mal, le noir. Le rouge n'est pas vraiment rouge. C'est un framboise qui tient vraiment sur le rosé une fois estompé. Voilà, il y a encore des teintes que je n'ai pas testées. Donc je pense que j'ai pas fini d'utiliser hein, parce que je l'aime beaucoup. Donc Manon, encore une fois, merci. Je l'avais mis dans ma wishlist. Dès qu'elle est sortie, elle m'avait fait de l'œil principalement pour les paillettes et les deux là, hein, on est d'accord. Mais ça reste quand même une super, super, super belle palette, hyper complète. Les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Les trois make-up que j'ai fait, j'adore. J'ai pas eu de soucis de chute. Ils sont hyper poudreux par contre dans le pan. Hein, donc tapotez bien vos pinceaux. Mais j'ai pas eu de soucis de chute. Voilà. Même les, vous voyez que même les néons sont assez pigmentés. Je suis ravie. Voilà. J'adore. Merci. Ma petite chérie. C'est une très, 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 très belle palette. Voilà. Et je pense qu'avec la 35i, elles peuvent assez bien se compléter. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des trois looks vous avez préféré. Si vous avez cette palette ou si elle vous fait envie. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve toute la semaine à 18h, sauf à 20h samedi en live. Et donc voilà, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si ces make-up vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous.